aimé cette petite jaquette. Oh, mais je l'avais... Hé, monsieur Pollux! Chut! Excusez-moi, mon cher, mais je réfléchis, n'est-ce pas, profondément sur un petit problème vestimentaire me concernant. Eh ben, justement, monsieur Pollux! Chut! Réfléchissons. Comme aurait dit le chien si typiquement anglais de Sherlock Holmes. Eh ben, justement, monsieur... Chut! Margot m'a offert à moi un ravissant petit vêtement tricoté par elle, pour moi. Eh ben justement, monsieur Pollux. Eh ben justement, où est-ce qu'il est ce manteau, ce petit vêtement si joli, hein? Je donne un morceau de mon sucre à qui me ramène ce vêtement, parce que je me demande... Zébulon. Mais voilà Margot, Pollux t'attend, tournicotant. Allons-y. Ah, oui. Bonjour, Pollux. Oh, bonjour, Margot. J'ai un ennui affreux. Je ne trouve plus le manteau ravissant que tu m'avais offert. Eh bien, justement, monsieur Pollux. Bonjour, Ambroise. Douce reine, ce gastéropode n'arrête pas de vouloir dire quelque chose. Eh bien, justement, monsieur Pollux. Oui, Ambroise. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je ne vais plus le dire. Non. Oh, Ambroise. Oui, ben ça ne fait rien, ma chère Margotte. J'ai d'autres soucis, tu sais, avec cette jaquette disparue. Eh ben, justement, le manteau de monsieur Pollux, il sert à arrêter les trains, là. Arrêter les trains, Ambroise? Quoi? Qu'est-ce que c'est que c'est que vous dites? Mon manteau arrêtant les trains? Mais je comprends plus rien du tout, mon cher. Qu'est-ce que... Eh ben, venez avec moi. Cette toile d'araignée est solide. C'est un bon système. Bien moins fatigant qu'une toile ordinaire. Oh, ton manteau, Pollux. Oh, mon manteau. Eh ben, voilà votre manteau, monsieur Pollux. Oh, pauvre train. Mais où est-ce que c'est... Mais où est cette araignée, Qui me demande? Mais qu'est-ce que ça que c'est que cette liberté de prendre mon meilleur petit manteau pour arrêter les trains, mademoiselle, voulez-vous me dire? Je suis devenue très paresseuse. Oh, le manteau que Margot a offert pour mon anniversaire à moi. C'était Margot qui l'avait fait. Oui. Bravo, c'était très solide. Mais comment fais-tu pour tricoter ça et que ce soit... aussi difficile à défaire. Je fais deux points à l'envers et un point à l'endroit, puis... Non, ma chère, non. C'était mon manteau. C'est une épouvantable catastrophe. Je me sens tout dénudée pour cet hiver. Je t'en ferai un autre. Ma chère, il faut réparer votre bêtise. Je peux faire un cadeau à Margot. Et qu'est-ce que c'est que ça que c'est votre cadeau? Un ruban pour ses cheveux. Tissé de mon fil le plus léger. Que c'est joli. Oh, merci. Oh oui, c'est vrai que c'est assez joli, je dois en convenir. Bon, et alors, on vous pardonne, ma chère Pénélope. Mais il faut libérer ce pauvre petit train. Ah, bah oui, parce que je dois faire une course avec lui. Voilà. Margot, en route, c'est la musique tournicotique. À demain, Pollux. Elle sera très très jolie avec ce ruban.